vais vous emmener en voyage. On va faire un petit tour dans plusieurs mondes différents, mais superposés. D'une part, un monde littéraire qui est celui de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, et tout ce que l'on connaît qui était adapté au cinéma par Peter Jackson et qui constitue le deuxième monde dont je vais vous parler. Et un troisième monde qui est le séjour de l'autre côté de notre monde, en Nouvelle-Zélande, pour justement la réalisation de ces deux trilogies qui sont la rencontre entre une littérature et un autre moyen d'expression, le cinéma. On va commencer en territoire connu. Et ce que je vais présenter, c'est un mélange d'images fait pour les livres, fait pour le cinéma. Prenez du sucre. Et aussi des images réelles de la Nouvelle-Zélande. Donc il faut imaginer une équipe de production qui arrive dans une ferme dans l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Et on trouve un paysage absolument extraordinaire où il manquait plus que des hobbits finalement. Donc nous nous sommes assis sur place et nous avons commencé à faire des croquis. Notamment le dragon vert, qui est le bistrot que fréquentent volontiers les hobbits. Si vous voyez des petits dessins parfois dans les coins, c'est que lorsqu'une idée vous arrive, vous avez meilleur temps de le noter. Donc vous le mettez au beau milieu de quelque chose d'autre. Là, l'entrée du dragon vert. Et là, nous sommes de nouveau dans le roman. L'arrivée des cavaliers noirs chez les hobbits. Donc l'irruption du monde extérieur dans le monde paisible de ces gens-là. Là, par contre, il y a une application très directe. Nous parlions de clients à tout à l'heure. Et là, ce sera pour une maison de hobbit que l'on pourra visiter. Donc, ce sont des plans ou des croquis qui sont partis chez l'architecte et qui seront transformés en véritable construction. Chez les hobbits, tout est rond. Les portes sont rondes, les fenêtres sont rondes. Vous me direz, c'est assez ennuyeux finalement, puisque c'est pas très varié, mais il y a 1000 façons de décliner une forme simple. Et beaucoup du travail que l'on a fait consistait à faire des variations sur un thème. Et voici quelques exemples. On aimerait bien y vivre, hein, quand même. Ça a l'air assez sympa. Et là, nous arrivons chez Bilbo. Avec Gandalf, finalement, qui est toujours un peu en retard. Et là, je vais passer un petit instant sur ce dessin-là, qui a été fait pour les cartes, une carte des voyages de Bilbo. Ce dessin. Nous sommes chez Bilbo. C'est un lieu extrêmement cossu dans lequel on s'y trouverait bien. J'avais fait ce dessin pour une série de cartes de la Terre du Milieu et le metteur en scène m'a dit « J'aime bien ce truc, est-ce que tu peux te retourner 180 degrés et me dessiner le reste ?» Ce que j'ai fait. Et nous avons construit un décor pour Le Seigneur des Anneaux. Ensuite, les films sont sortis et l'adaptation du Hobbit se profilant à l'horizon, nous avons ressorti le décor qui ressemblait à ça. On se croirait chez Emmaüs, sauf que c'est en moins bon état. Donc une équipe d'artisans sur place à Wellington a pris ces petits bouts, les ont posés dans un grand atelier et ils ont reconstruit toute la maison comme il était avant, mais mieux, puisqu'on a rajouté quelques pièces en plus.
Et pour finir, vous avez ça. Évidemment, l'intérieur de la maison se trouvait dans les studios à Wellington et l'extérieur se trouvait dans l'île Nord, justement sur place, dans une localité qui s'appelle Matamata, pas très loin de Hamilton. C'est un lieu extraordinaire et qui semblait convenir parfaitement pour le Seigneur des Anneaux. Et justement, pour parler de ça, nous sommes dans un pays, évidemment, fantastique, qui n'existe pas, qui est une sorte de reflet romancé d'une certaine Europe que l'auteur avait très à cœur. Et là, on est de l'autre côté du monde, dans un pays qui porte très peu l'empreinte de l'homme. Et nous avons toute liberté, justement, de retrouver ce côté fantastique sans les entraves qu'aurait présenté l'Europe, c'est-à-dire des châteaux et des villes partout. Nous avons même fait un arbre, parce qu'il en manquait au-dessus de chez Bilbo. Le voilà, juste ici. Alors que l'arbre était dans les studios, il semblait gigantesque. Donc ça remplissait tout un atelier. Quelques mois de travail pour faire l'écorce, pour attacher les feuilles. On le ramène sur place, il est minuscule. Et là, on va quitter chez les Hobbits et aller un peu plus loin, à Bree, qui est le village des hommes le plus proche. Et là, nous sommes de nouveau dans l'illustration. Quelques croquis pour les décors. Et un décor en devenir. Et j'aimerais souligner ce côté où l'on navigue constamment entre ces trois mondes. Les exigences d'une part d'un tournage qui sont très contraignants, l'exploration d'un texte qui peut être à la fois très personnel et finalement la juxtaposition des deux au cinéma. Là, on va un peu plus loin. Je crois qu'en français, ça s'appelle les Galgal. Il y a des épisodes qui n'ont pas été malheureusement portés au cinéma. Par contre, ça n'empêche pas de les visiter en dessin. En noir blanc. Et aussi en couleur. Et après, si vous avez l'occasion, vous pouvez aussi y aller à pied. Et là, c'est une photo d'une localité dans l'île Nord de la Nouvelle-Zélande où nous pensions pouvoir tourner ces épisodes dans le cadre de la trilogie du Hobbit. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais c'était un lieu tellement extraordinaire, j'aurais jamais pu même l'inventer. Je regrette qu'on n'ait pas pu y tourner. Nous retournons en territoire un peu dangereux, des marécages, où les hobbits se trouvent prisonniers de cet arbre qui est à moitié vivant. Et là, on est, pour la petite histoire, dans le croquis le plus rapide possible, où soudain on a une idée et on fait très très vite un croquis avec ce qu'on a sous la main, sur le support que l'on a à portée de main. Et on passe à la réalisation. Je vois la date. Oh, 1989. Donc c'est dire que c'est un sujet autour duquel je tourne depuis longtemps. Pour la petite histoire, ces arbres-là se trouvent pas très loin de la maison où nous habitons en Suisse. Et je l'ai revisité l'année dernière dans un autre cadre. Là, on va un peu plus loin, la ville du lac. Nous n'aurons pas vraiment le temps, malheureusement, de vous faire un petit
petite tour chez les lacustres qui ont probablement servi de modèle à Tolkien pour son village. J'aimerais beaucoup, mais je crois que ce sera pour une autre fois. Et là, pour un projet de film, créer une ville veut dire dessiner des dizaines, voire des centaines de maisons. Donc nous avons fait énormément de croquis, où on commence quelque part à gauche, et on travaille, on finit à droite, et entre deux, il y a un décor. Pour Tolkien, son village du lac était d'inspiration celtique. Nous sommes allés beaucoup plus loin, au nord et à l'est, plutôt vers la Russie. Et on a imaginé une ville comme si Venise était construite en bois et en train de couler gentiment dans le lagon. Donc là, vous voyez des influences des églises en bois de Norvège et de l'architecture russe. Et en plus, nous avons imaginé une civilisation plus ancienne encore que la ville actuelle, qui a laissé quelques vestiges qui sortent par-ci, par-là de l'eau. Et puis ainsi, vous rajoutez une couche supplémentaire à votre propos, qui n'est pas forcément traduit ni compris à l'écran, mais qui aide beaucoup à la crédibilité. Mais une fois qu'on a des croquis, il faut le faire. Pour le construire. Donc là, on est dans le parking, derrière les studios et les gros travaux de construction. Un petit lac artificiel et le village lui-même. Et là, j'aimerais saluer le travail des décorateurs. Si vous imaginez la différence entre un appartement habité et un appartement vide, c'est que les décorateurs sont passés par là. Et les décorateurs amènent une quantité énorme de choses pour qu'on ait l'impression qu'on est chez quelqu'un. Et là, j'aimerais vous montrer, dans le même cadre, une partie du travail que l'on réalise en post-production. On nous donne des séquences dans lesquelles nous choisissons des images un peu représentatives. Malheureusement, comme de nos jours, pour la moitié de l'image, il n'y a rien. C'est qu'un écran vert. On est obligé de remplir tout ça. Donc une grande partie du travail de post-production consiste à refaire la peinture par-dessus l'écran vert afin de donner aux modeleurs et aux animateurs un peu d'indication de ce qu'ils devraient faire. Donc, avant et après. Et ça pour des centaines de plans, puisque de nos jours, une production cinéma qui dans le temps a été divisée en trois parties, pré-production, production, c'est-à-dire lorsque les caméras tournent, et post-production, montage, musique, etc. À présent, les frontières sont extrêmement floues et on commence la post-production dès qu'on a commencé la pré-production, finalement. Quelques habitants de la ville du lac. Vous reconnaîtrez peut-être mon collègue Alan Lee, l'autre concepteur sur le projet. C'est lui qui porte l'instrument le plus lourd, c'est sa faute, c'est lui qui l'a dessiné. Donc on a passé 2 jours sur le plateau pour une petite vignette. Et puis dès que les caméras arrêtaient de tourner, on nous voyait traverser le studio, retourner à nos tables à dessin, en costume. Quelques autres lieux, la Moria. Des notions d'architecture sont obligatoires pour ce genre de travail. Et parfois, on se lance dans des constructions un peu compliquées. Alors là, il n'y a pas la date, mais je l'ai mis quand même. Je crois que c'est le seul dessin que je possède que j'ai fait avant les Arts Déco. Vous reconnaîtrez les personnages. C'est les mêmes.
Voici le dessin qui était à l'origine de la séquence de Gandalf qui tombe avec le Balrog dans les deux tours. Et quelques croquis réalisés pour le film. Et là, on va aller encore sous la montagne, chez les gobelins. Alors, c'est clair que pour un cinéaste, tourner en souterrain n'est pas très excitant. Un trou noir sans lumière, c'est pas ce qui est de plus cinématographique. Donc, on a imaginé que le royaume des gobelins était perché au-dessus de grands gouffres sous la terre et qu'à tout moment, on risquait non seulement de se perdre, mais aussi de se casser la gueule et tomber on ne sait où. Des croquis comme celui-ci sont parfois la manière la plus efficace de proposer une idée à un metteur en scène qui sait les utiliser. Donc il n'y a pas forcément besoin d'un grand dessin couleur. Parfois, un croquis au crayon suffit. Et ensuite, on passe au Photoshop lorsque l'idée est approuvée. Pour parler technique, les créateurs et les créatrices d'aujourd'hui sont obligés d'être extrêmement agiles, de maîtriser non seulement les outils traditionnels, pinceaux, plumes et crayons, mais aussi Photoshop, Painter, tout ce qui est numérique, et en poussant aller jusqu'à la 3D et l'animation. Donc il y a une polyvalence requise qui n'existait pas il y a une trentaine d'années. La seule chose, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne change pas, c'est le besoin de créativité. Cette image-là, vous le trouvez presque exactement dans le film, mais c'est une proposition. Tout ça était une construction numérique. Là, on va chez Radagast. Qui est un personnage qui ne figure pas dans Le Hobbit, mais qui était paradoxalement les premiers décors qu'on a réalisés pour cette trilogie. Et là, l'idée derrière, qui vient de notre metteur en scène, c'est que ce n'était pas une maison sous un arbre, dans un arbre, à côté d'un arbre, c'est une maison avec un arbre dedans. Et on imagine que peut-être il y a une centaine d'années, il y a eu un petit pouce qui a germé dans son salon, il n'a pas eu le cœur de le déraciner, et puis finalement, ça va finir par éclater sa maison. C'est aussi une métaphore pour son retour à la nature, puisque c'est un personnage qui va se perdre dans l'histoire de la Terre du Milieu, on ne saura pas son destin. Et là, c'est le genre de dessin qu'on a beaucoup de plaisir à faire, c'est-à-dire qu'on part dans un coin et on ne sait pas du tout où l'on va. Et on rajoute élément après élément. Et pour finir, on a un environnement. Mais au départ, j'aurais été incapable de vous dire ce qui s'y trouverait. Et on navigue très souvent entre les grands décors et les petits détails. Comme cette branche qui envahit la bibliothèque. Pour la petite histoire, pour un décorateur, si on fait ce genre de dessin, ça lui indique clairement qu'il s'agit de cornes et non pas de verre, parce que la vitre, elle est tordue par la pression de la racine. C'est ces petits détails-là qui aident beaucoup à asseoir justement la crédibilité de ce genre d'entreprise. Là, on est chez Tom Bombadil, de nouveau un personnage qui ne figure pas dans les deux trilogies, et c'est dommage. Pour le Hobbit, notre metteur en scène fantasmait à l'idée de tourner la séquence quand même et de le garder pour les DVD, mais comme c'était un fantasme à 10 ou 15 millions,
c'est vite passé aux oubliettes. Mirkwood. Je vois les dates aussi. 26-11-08. Les tout débuts de la production sur le Hobbit. Le chemin qui traverse la forêt, et là vous voyez quelques nains évidemment qui n'ont pas suivi le chemin et qui sont perdus. Là, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est un dessin que j'ai fait avec la main gauche. Non pas pour le plaisir et non pas parce que je serais ambidextre ou gaucher, mais parce que j'ai failli me casser l'épaule durant la production et je ne pouvais plus dessiner avec la main droite. Et comme on ne peut pas rester à la maison, il faut aller au travail, j'ai commencé un dessin à la main gauche. Ça m'a pris toute une journée. À la fin, j'étais extrêmement fatigué, mais c'est la preuve que, quelle que soit la facilité que l'on peut acquérir dans ce qu'on appelle la main, dans le geste et dans le contact avec l'outil, il y a une copie sur le disque dur là-haut. Et on peut prendre un autre outil, c'est-à-dire l'autre bras, et réapprendre. C'est extrêmement laborieux, et là on mesure toute la différence entre le geste instinctif et le geste raisonné. Et c'était un grand apprentissage. Heureusement, j'ai guéri. J'ai pas eu à faire ça trop longtemps. Mais c'est possible. Et la réalisation Photoshop. On s'est aussi amusé à se mettre soi-même dans les dessins. Là, en l'occurrence, sous forme de nain, je me suis dit, si je me mets assez souvent en tant que nain dans les dessins, il va m'engager comme figurant. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Une proposition pour la rivière et la réalisation de Mirkwood et les décors. Et là, un moment qui était absolument magique. Tôt un matin, les portes du studio étaient entrouvertes et le soleil qui se levait dans le décor. Et c'était tout simplement splendide. Et là, on mesure le génie des éclairagistes qui sont capables de vous restituer ce genre de lumière en faux. Évidemment, les nains se perdent. Ils sont capturés par les elfes qui les amènent chez Tranduil. Les premiers croquis. Vous voyez la ligne là au milieu. Ça, c'est le milieu d'un cahier de croquis. Parfois, une idée ne se tient pas sur une simple page. Il faut déborder un petit peu. Première proposition Photoshop. Et du travail pour la post-production. Et ce genre de dessin, on en fait beaucoup. On essaie justement de donner le maximum d'éléments à ceux qui vont fabriquer la scène réellement. Là, il y a un tout petit peu de 3D, mais comme je ne suis pas très fort, il n'y en a pas beaucoup. Et là, vous reconnaîtrez aisément Orlando Bloom. Dans le décor réel, ce pont est peint sur le plancher du studio et les colonnes montent jusqu'à peu près là. Tout le reste est réalisé plus tard en numérique.
quelques croquis de pré-production pour les prisons où les nains se trouvent. Le trône de Tranduil, qui était un long chemin de propositions, de contre-propositions, de nouvelles idées. Le trône en situation. De nouveau, tout ce qui est autour, tout ce qui dépasse ce petit bout-là, c'est en numérique. Là, un touriste qui s'est promené dans le studio. Et nous quittons chez les elfes pour aller plus proche de du mont solitaire à Dale. Créer un environnement et par implication une culture fictive dans le cadre du cinéma fantastique est un travail extrêmement intéressant à ne pas prendre à la légère, puisque la crédibilité de vos décors en dépend. Et très très souvent, ce que j'aime beaucoup faire, si j'ai le temps, c'est de commencer assez loin, m'éloigner d'un kilomètre ou deux du lieu que je vais créer, en faire un premier dessin, me rapprocher un peu par rapport à ce que j'ai dessiné, me poster de nouveau dans le dessin et dessiner ce que je vois ensuite, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive en ville. Et là, on se promène, on voit des maisons, on voit des fontaines, et on trouve petit à petit des éléments d'architecture qui semblent appartenir à ce que vous cherchez. Et là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur la création même de l'imagerie fantastique. C'est que j'ai très longtemps cru que les images, on les avait là-dedans, suffisait de les sortir, de les mettre sur papier et le tour était joué. Je me rends compte que c'est faux. Ce que nous avons, et dans la tête et dans le cœur, c'est la volonté, les capacités et l'expérience, mais les images sont dans le monde, les images ne nous appartiennent pas. Et ce que nous devons faire en tant que créateurs dans ces mondes-là, c'est d'aller les chercher à la pointe du crayon, écarter un peu la brume, les rendre visibles, puisqu'elles sont, elles sont là. Si on ne les trouve pas, c'est qu'on n'a pas assez bien travaillé. Donc il y a à la fois une sorte de perpétuelle soif d'image, d'expérience, de lumière, d'ambiance, de tout ce que vous pouvez imaginer, de ces milliers d'années d'histoire que nous avons autour de nous. Et ça, c'est une quête permanente, perpétuelle. Ensuite, il y a le lâcher prise, qui est justement de laisser tout ça sortir sans réfléchir. Et là, vous avez de plus fortes chances de trouver, en fait, de trouver ce qui est déjà là. Et là, j'aimerais de nouveau saluer le travail des décorateurs et des constructeurs qui ont créé un petit bout de ville, finalement, tout un quartier, tout près de la ville de Wellington, et qui était assez grand pour que on puisse s'y promener sans voir le monde extérieur. Quelques habitants qui ne sont pas en polystyrène comme tout le reste et qui attendent l'arrivée d'un dragon. Encore quelques éléments d'architecture. Et il m'arrivait assez souvent, quand j'avais l'occasion, de profiter d'un week-end ou d'un matin très tôt, d'aller sur le site et attendre que le soleil se lève, afin justement de faire des photos plus tard pour la post-production, mais aussi pour moi. Ce n'est pas souvent qu'on a le loisir de se promener dans un de ses propres dessins. Là, nous sommes de nouveau chez les elfes.
Une illustration pour le livre. Quelques croquis pour le cinéma, pour la trilogie du Hobbit et aussi pour Le Seigneur des Anneaux. Et là, quelqu'un qui dessine chez les elfes sur place. Évidemment, tout ça s'est fait en Photoshop. Mais c'était pour les besoins d'un documentaire. Lothlorien, le royaume de Galadriel. Petite maison de villégiature. Et nous quittons les elfes pour aller chez les cavaliers de Rohan. Méduseld, qui est la halle du roi Théoden, directement inspirée de l'épique Beowulf, que Tolkien chérissait avant tout. Le peuple de Rohan, pour la petite histoire, sont grosso modo les anglo-saxons à cheval, car s'ils avaient eu des chevaux, une cavalerie, il y a des fortes chances que la bataille de Hastings aurait eu une autre issue. Donc, en quelque sorte, Tolkien réécrit l'histoire. Le gouffre de Helm. Quelques éléments d'architecture. Et là, on arrive dans Erebor, sous la montagne. De nouveau, des travaux d'approche pour le film. Qui était finalement très différent. Mais nous sommes partis du principe que les nains ne se voyaient pas petits, plutôt grands, plutôt capables de soulever et soutenir les montagnes. Et nous avons fait une grande variété de statues absolument gigantesques. Petit HLM chez les nains. Et ça, c'est typique du genre de dessin où on commence à un côté et on ne sait pas du tout où l'on va, mais en chemin, on trouve des choses. Le travail du cinéma, pour ceux qui travaillent à la pré-production, il y a une très grande attente de la part de la production et du metteur en scène, mais il y a relativement peu de pression. Petit à petit, alors que la production avance, la denrée la plus chère, c'est le temps. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Dessin de post-production. Et là, nous sommes de nouveau dans la pré-production. Mais pour la petite histoire, c'est un dessin que j'ai fait au bord d'un lac, au beau milieu de l'île sud de la Nouvelle-Zélande, car lorsque le metteur en scène et toute son équipe, c'est-à-dire 70 camions, sont partis tourner dans des localités à l'extérieur des studios, mon collègue Alain Lee et moi devions les suivre de temps à autre afin de montrer le travail que l'on faisait durant la semaine écoulée. Donc pendant 2 mois, à peu près une fois par semaine, on prenait nos affaires, nos imprimés, on allait à l'aéroport prendre un petit avion vers un aéroport minuscule quelque part, au milieu de nulle part, trouver la voiture de location, trouver l'équipe et ensuite attendre. Et une fois qu'un metteur en scène est sur place en train de tourner, de nouveau, le soleil se lève, le soleil se couche, il n'a qu'un certain nombre d'heures pour tourner et il nous arrivait de rester une journée ou deux entières sans qu'il puisse nous accorder 10 minutes pour voir les dessins. Donc on a fait énormément de dessins dans des cahiers, assis sous des arbres au bord des lacs, à la montagne.
Et les dessinateurs et les dessinatrices, c'est un peu comme les enfants, vous leur donnez un papier, un crayon, ils sont contents. Premier croquis. Et on va repasser. Premier croquis, maquette, décor. Et là, vous reconnaîtrez la porte secrète derrière la montagne. Là, on est dans les en haut du studio à 10 mètres. Donc, c'est des lieux quand même relativement importants. L'Argonate, là on va descendre l'Anduine. Croquis fait pour le film, parfois très rapidement. Alors, il y a une chose lorsqu'on revisite les mêmes lieux plusieurs fois, il y a une chose qu'on n'a surtout pas envie de les faire, c'est de les dessiner de la même manière. La routine est vraiment le plus grand danger. Et je crois que c'est un peu une histoire, ce que l'on a pu faire n'a aucun intérêt par rapport à ce que l'on espère faire dans l'avenir. On me demande très souvent quel est votre dessin favori. Je réponds toujours que c'est le prochain, puisque les plus anciens ne m'intéressent pas. C'est clair qu'on a du plaisir à les partager, mais finalement, dans les métiers de création, il n'y a aucun acquis sur lequel on peut rester, puisque c'est de l'ancien, c'est du déjà fait. Et les seules choses qui ont de l'intérêt, c'est des choses qui ne sont pas encore faites. Donc j'aime beaucoup revenir sur des personnages ou des lieux que j'ai déjà vus, déjà dessinés des dizaines de fois, et puis me dire, mais finalement, je vais faire complètement autre chose. Je crois qu'un des très grands dangers dans le dessin et la création, c'est ce que l'on sait faire. C'est clair que c'est réconfortant d'avoir des acquis qui vous permettent de savoir plus ou moins où vous allez. Mais ce que vous savez faire ne vous porte pas ailleurs que là où vous avez déjà été. Et là, nous allons vers Minas Tirith. Une couverture de livre, très directement inspirée d'un château qui ne se trouve pas très loin, dont certains d'entre vous reconnaîtront des morceaux, Et là, la deuxième plus ancienne dessin que je possède, qui doit dater de l'année de mon entrée aux Arts Déco, je crois. Chez Saruman. Là, vous reconnaîtrez la même tour. Mais avec les Ents qui le détruisent. Une autre version. Et là, je vous amène à Dol Guldur, la forteresse de Sauron dans le sud de Mirkwood. Un premier dessin fait à l'époque où Guillermo del Toro était encore metteur en scène sur le projet, et ensuite les dessins successifs
où Jackson a repris les rênes du projet. Nous avons envisagé une architecture qui était prise dans des sortes de cerclés et emprisonnés dans des bandes de fer rouillées et un peu immergés dans la forêt. Donc là, ce sont des travaux préparatoires afin de proposer des idées au metteur en scène. Et encore un touriste sur le plateau. D'autres lieux, Gundabad, qui n'est pas vraiment un lieu qui figure énormément dans les romans. Nous nous sommes souvent trouvés sur un rempart ou une tour en train de regarder au-delà du scénario et de nous dire « Ah, mais ça serait tellement bien ». Si on avait le prétexte justement de s'y rendre, et j'avais tellement envie. Là, nous sommes sur les remparts de cette tour, en train de regarder vers le nord, et j'avais tellement envie que le scénario nous y mène. Malheureusement, je n'ai pas pu aller, mais ce n'est que partie remise. Parfois, dans le design, c'est les formes simples qui marchent le mieux. Et là, dans la création, il faut se laisser ouvert au dialogue. Je vais ouvrir une parenthèse si ça ne vous dérange pas. La création est un dialogue à trois entre le créateur, le thème et le support, le dessin lui-même. Et si dans une conversation il y a une personne qui parle très fort, les deux autres n'arrivent pas à en placer une, ce n'est plus une conversation. Et il y a des moments dans une recherche iconographique où il faut justement se laisser ouvert à ce dialogue, ne pas imposer une vision, laisser le thème vous dire de quoi il s'agit, et laisser le dessin se découvrir tout seul. Et c'est à ces moments-là qu'on a parfois le grand bonheur de tomber sur un petit trait de crayon, un hasard de la proportion, qui tout d'un coup vous dirige vers quelque chose auquel vous n'avez pas du tout pensé. Donc la création n'est pas seulement une extériorisation de ce que l'on a en soi, c'est surtout une sorte d'aller-retour permanent entre plusieurs éléments que l'on tente de guider afin justement de trouver ce que l'on ne soupçonnait pas au départ. Tout ça, ça a l'air un peu philosophique, mais c'est la méthode d'une sorte de lâcher prise qui vous permet d'avoir une grande liberté dans la réflexion. Là, on va vers des pays progressivement plus sombres. 5 minutes, ok. Nous allons un peu plus vite, pardonnez-moi. La tour de Sauron, qui est très haut, puisque comme je ne pouvais pas me résoudre à définir le sommet, j'ai rajouté encore, je crois que c'est un dessin qui couvre 5 ou 6 feuilles format raisin. Et finalement, quand je suis arrivé tout en haut, je savais à quoi ressemblait le sommet, mais je n'aurais pas pu le faire tout de suite au départ. Le monde du destin. Et puis d'autres localités qu'on n'a pas beaucoup vues dans les films, qui nous amènent au sud et à l'est. Chez les pirates d'Umbar, dont voici un exemplaire. À Rand, ceux qui connaissent les tours du vent
reconnaîtront, mais je les ai placés en bord de mer. Ceux qui ont voyagé en Cappadoce ou en Iran reconnaîtront aussi les influences. Un habitant du coin. Et là, on arrive un petit peu en fin de notre parcours en Terre du Milieu. Nous nous dirigeons vers les Havres Gris, les Tours Blanches, qui à l'époque du Seigneur des Anneaux sont abandonnées. Et on arrive aux Havres Gris, où le bateau nous attend pour nous amener ailleurs. J'aimerais vous remercier de m'avoir accompagné dans ce petit tour de la Terre du Milieu. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour la deuxième présentation PowerPoint où je prends un décor et on va beaucoup plus dans le détail, mais ça sera pour une autre fois. Vous avez le secret de nous emmener loin. Est-ce que vous avez le secret pour nous ramener à la réalité d'aujourd'hui? Je trouve que le travail sur les mondes parallèles ou fantastiques a un intérêt puisque c'est pas seulement de l'évasion. C'est aussi une façon d'approcher notre monde avec un autre regard. Et toute la mythologie que nous possédons, des millions d'histoires, c'est jamais que de la religion à laquelle on ne croit plus. Donc tout ça, dans le temps, était actuel. Tout ça, dans le temps, parlait aux gens. Tout ça, dans le temps, expliquait le monde pour ces gens qui l'ont créé. Et je me dis qu'il y a des thèmes qui sont permanents, persistants, à travers tout ça, et qui ont leur mot à dire, non pas forcément sur les taxes sur l'essence, mais sur les questions plus profondes et plus transversales, si vous voulez. Je ne me sens relativement peu connecté à l'actualité immédiate, mais plutôt à des choses qui sont sous-jacentes. Si John avait eu le temps, il aurait pu vous raconter sur quoi il travaille en Chine, sur la création, la conception de ville, d'une ville nouvelle, de ville de demain. C'est assez fascinant, mais bon, j'espère qu'il sera réinvité l'année prochaine ici au Festival du Livre de Colmar. Merci John de nous avoir emmenés dans les coulisses de ton travail. Merci beaucoup.